C'est un 2 litres 3, il fait 2279 cm3 pour 110 chevaux, une boîte de vitesse 5 rapports. C'est un châssis tubulaire fait par un artisan, elle pèse moins de 900 kg, sa vitesse est de 0 à 100 en 8 secondes, et le créateur du constructeur, c'est l'artisan Job Jacquel. D'accord, alors donc c'est un véhicule exceptionnel, c'est très rare. À combien d'exemplaires a été des 4 en France et il y en a eu 545 en Angleterre. Voilà, donc c'est vraiment une pièce rare. Bon, je pense qu'on peut applaudir parce que la personne qui est venue ici avec ce véhicule a quand même pris un risque en venant en 1959. Voilà. Donc, motorisation, carrosserie ou juste motorisation? Tout a été restauré. Donc, depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans, donc c'est tout récent. C'est pour ça qu'elle est encore en parfait état et j'espère que vous allez la garder le plus longtemps possible comme cela. Hein, parce que pour promener madame, c'est formidable. Hein. Seulement tous les ans, il repart en vacances et bien sûr, ce monsieur gagne beaucoup d'argent et à chaque fois, il achète quelque chose. Hein. Et oui, il passe par Villemanoche. Cette année, je crois qu'il y a la trottinette en plus. Dites-moi quand elle a été restaurée, cette voiture, parce que... J'ai mis 2 ans à la refaire. Je l'ai sauvé, récupéré sur un tas de ferraille. L'année dernière, non? Non? Mais alors, il y avait quand même la remorque, il n'y avait pas la remorque, mais il y avait moins de choses dedans. Hein. 68. Voilà. 1986, oui, elle est pas récente, en fait. Je dis ça, vous en avez fait un. Moi, quand je vais au Sénégal, avec 3-4 chevaux, ils arrivent à tuer 2 chevaux. Oui, non, c'est très bien, non, mais c'est formidable. Combien de temps de restauration? 1 an et demi. 1 an et demi de restauration. Alors peinture, motorisation. On va chercher 3 chevaux. 3 chevaux et demi peut-être, non? 3 chevaux et demi. 3 chevaux et demi, hein. Il y avait la 3 chevaux, après il y avait la Diane, hein. C'est plus 3 chevaux, hein. Monsieur Desmoutons. 34 chevaux, 4 petites simples, avec un 2 litres, de 83. Et c'est une ancienne voiture d'ambassade. Ah, une voiture d'ambassade. Ah oui, bah, il faut bien croire, hein. Quel ambassadeur? Du Gabon à Paris. Ah, l'ambassadeur du Gabon à Paris. Elle a été rénovée, non? Rien du tout. Elle est dans son jus. Ah, alors là, attention. Voilà, oui, vous avez restauré cette voiture, je suppose. Sur 4 ans. Les cabines, châssis, moteur, embrayage, frein, tout est neuf. C'est votre dada d'être mécanicien ou c'est... C'est un coupé décapotable. C'est un véhicule qui est rare puisqu'il est sorti en 1932 qu'à 100 exemplaires seulement. Et moins connu, il n'en reste que 2. Ah, plus que 2 exemplaires. D'accord. La capote, tout ça, c'est terré. Restauré entièrement. 2 à Z, combien? La numéro 46. Alors il n'a pas sa petite feuille, alors vous... Il n'a pas sa feuille. Alors il a dit, je connais puisque j'en ai une 4x4, celle-ci n'est pas 4x4, c'est ça, hein, hein. Il y a eu tout. Ah, puis il y a des retouches de droite. Oui, des retouches, mais je veux dire, elle n'a jamais été repeinte entièrement. Non, c'est un véhicule, c'est vrai qu'il s'est conservé, j'en vois encore beaucoup, avec un polish, un truc comme ça, on arrive à... Et au niveau un peu plus récente, celle-ci, alors c'est une, dites-moi. 104 Steve Z, c'est les derniers modèles qu'ils ont fait. Tout dernier modèle qu'ils ont fait, c'est ça. Hein. Elle est de quelle année? Elle est 87. 87. Elle a été refaite ou elle est dans son jus? Telle qu'elle est là. Dans son jus. Dans son jus et motorisation. Pareil, elle a 80 km, elle est d'origine. C'est un petit pépère qui me l'a refilé, sinon je la mettais dans la presse. Ah bah oui, ça aurait été... Là, une personne qui vient nous rejoindre presque tous les ans, que je vois fréquemment, mais je pose toujours les questions parce que je me souviens jamais des réponses. En 20 jours environ... Et 33 hôpitaux, et voilà quoi. Donc, voiture entièrement restaurée depuis quelques années, et puis entretenue par mes soins depuis quelques années également. Mécaniquement. Surtout carrosserie, habitacle, voilà quoi. Ah, la Panhard, Alors, dites-moi tout sur la Panhard. La Panhard, voiture que j'ai depuis l'âge de 20 ans. Elle est 25 ans, c'est ça, il y a 5 ans que vous l'avez. 52 ans.
tour, eh bien, c'est une Mercedes qu'on appelle Pagode, donc pour la forme du hardtop, qui a été dessinée par Paul Brack dans le début des années 60. Et c'est une donc 250 SL de 1967. Elle a été restaurée en carrosserie, ça fait un bon moment, pratiquement 25 ans. Et intérieur d'origine, mécanique d'origine. Voilà, oui, vous avez la même ? Oui. Entièrement dans son jus donc, hein. Jamais été refaite. Et voilà, alors dites-nous tout sur ce véhicule, monsieur. Alors c'est une Lancia Beta Tiger de 1981, entièrement dans son jus. Voilà, c'est un 700 qui fait 105 chevaux réels. Et voilà. C'est une date de 1997. Je l'ai acheté à 8 ans. Une grande partie de l'auteur a été refaite puisqu'elle avait été mal entretenue. L'intérieur, moi j'ai installé l'intérieur, j'ai refait les consoles parce que j'étais très abîmé aussi. C'est vous qui faites tout vous-même ? Ah non, vous faites faire. Non, je ne touche pas, ça a été fait par un professionnel. Très difficile à trouver parce qu'il y en a peu de compétents. Voilà, donc il est de la région, il est à Saint-Valérien. L'intérieur, moi j'ai juste refait les consoles, réinstallé l'intérieur cuir. Maintenant il reste la peinture à faire. Et je ne m'en occuperai pas non plus. C'est pour ça que je ne sais pas faire du tout. Vous avez vu dans les films avec De Funès avec le capot qui s'allongeait, c'est la même. Dites tout, monsieur, sur la Jaguar. C'est une Jaguar type série 1, les premières de 62, que j'ai acheté aux Pays-Bas. Et qui a changé la boîte de vitesse, j'ai refait les freins, puis il a fait la sellerie. Vous touchez un peu la mécanique en fin de compte alors. C'est mécano alors. Ah ben alors, vous n'avez pas de. Très belle. Très belle.